Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, AVC, tabac, cannabis, on va essayer de comprendre la relation. Je suis en duplex avec le professeur Amarenko. Professeur Amarenko, vous êtes chef du service AVC à l'hôpital Bichat. Alors, quels sont les mécanismes? Eh bien, d'abord, le tabac et le cannabis sont des facteurs de risque d'AVC. Ils multiplient par 3 le risque d'AVC. Ça a été montré dans toutes les grandes études qui ont été faites sur le sujet. Le tabac, lui, il agit un peu comme de la rouille, c'est-à-dire que à l'intérieur des artères, qui sont comme un tuyau, il y a une fine membrane qui tapisse la paroi des artères. Cette fine membrane est attaquée par les substances nocives du tabac, formant un peu comme de la rouille, et donc, in fine, il y a une ulcération. Cette ulcération, comme un aft dans la bouche ou sur les gencives, eh bien, cette ulcération, dessus, il se forme un caillot avec... une thrombose, et ce caillot peut partir dans la circulation et boucher une artère cérébrale. Le tabac est également un facteur majeur d'hémorragie méningée par rupture d'anévrisme qui survient chez le sujet jeune, ça multiplie par 10 le risque d'hémorragie méningée, c'est un facteur majeur. Enfin, le cannabis, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une drogue dite récréative, c'est une drogue qui est nocive pour les artères cérébrales, notamment les artères cérébrales intracrâniennes, car elle cause ce qu'on appelle une vasoconstriction des artères et in fine un AVC. Quand un patient jeune de moins de 60 ans arrive dans mon service, on lui dose systématiquement dans les urines le cannabis parce que c'est une cause d'AVC. Hein, c'est une cause de plus en plus fréquente. Voilà, et on connaît les conséquences cognitives du cannabis chez nos adolescents. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà, on ne le dira jamais assez. Si vous voulez vivre vieux, ménagez vos artères. Et si vous voulez éviter un AVC, eh bien, ménagez-les encore plus. À très bientôt pour un nouveau Conseil Santé.